on rend des avis, donc avec des préconisations plus ou moins concrètes, on essaie qu'elles le soient le plus possible pour qu'effectivement après, le législateur ou l'État ou le gouvernement se saisissent de ces préconisations et les traduisent, soit dans des lois, soit dans des décrets, mais aussi au-delà de la question des textes, puissent s'imprégner de ce qu'on souhaite pour les citoyens. On satisfait un processus qui amène effectivement à réfléchir. Et là, ici, c'est la réflexion en commun qui est importante. Et c'est effectivement la méthode de travail qui est appliquée ici, c'est d'arriver à ce que chacun converge, cède un peu de ses positions pour aller vers l'autre et vice-versa. Et donc, c'est vraiment il y a un rituel et un processus et c'est comme ça qu'on y arrive, effectivement. C'est grâce à ces rituels.